Chers amis, bonjour. Nous voici au mois de mai. Oui, le printemps est là. C'est la Daf Yomi. La Daf Yomi, c'est ce qui est écrit tous les jours, tous les jours, tous les jours, quelques pages. Voilà. De cahier de brouillon, bien sûr. C'est la Daf Yomi de mai. Et donc, le quotidien. N'oubliez pas, par contre, hein, je vous le dis et je vous le dirai jamais assez. On me l'a dit une fois, j'ai compris, hein, mais je comprends qu'il faille le dire au moins deux, même trois, et même parfois 7 fois, 77 fois. Alors, non, j'hésite pas. Vous savez, moi, j'écoute. Hein. Non, non, pas bête et méchant, mais j'écoute quand même. Et oui, on a eu des pères avant. Hein. Ah oui, marcher par deux, par quatre, par six. Oui, les pères et les pères. Mais puis, il y a eu les impairs. Et puis, et oui, les pères et les passes. Cette daphiomie de mai, c'est des mots comme ça qui viennent au mois de mai, comme d'autres viennent au mois d'avril, au mois de juin. Mais simplement. Oh, parfois ce sont les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes pensées, les mêmes réactions. Oui, vous respirez à chaque instant. Ce n'est pas le même air, heureusement d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'on ne serait plus là. La sagesse. Alors que la sagesse n'est pas dépourvue de raison. La raison est bien souvent dépourvue de sagesse. Quand je pense à l'union, vous savez, quand la justice rencontre la vertu et la droiture le courage, tous s'unissent pour donner aux hommes, même les plus simples, une belle leçon de bon sens. Eh oui, c'est. Aimer Dieu. Vous êtes déjà posé la question, aimer Dieu? On dirait que c'est un scoop aujourd'hui. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir. C'est simplement accepter que les sots aient réussi sur cette terre bien plus que les sages. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, je vous assure. Surtout avec près de 300 sortes de fromages en France. Les saintes écritures nous disent, nous bassinent même. Ah bah oui, hein, ah bah oui, c'est la main du potier. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous rapporte souvent. Les saintes écritures et leurs sages et mémorables commentaires. Et il n'est pourtant pas dit que tu dois l'aimer jusqu'à le manger, le posséder, le dévorer. Daphiomie de mai. Hein. Non, non, pas Daphina. Daphiomie, c'est pas pareil. Hein. Daphiomie, en araméen, c'est la page quotidienne. Penser comme ça. Ah oui, non, c'est. Oh, c'est arrivé à tout le monde depuis, depuis les hiéroglyphes, le cunéiforme. Vous avez oublié, c'est tout, hein. Vous savez, on l'a entendu parfois des voix, c'est marqué Hey, j'ai appelé et vous avez refusé de m'entendre et d'écouter. J'ai tendu ma main et vous avez fermé la vôtre. Fermer une main, c'est plus une main. Certes, c'est un simple point, mais c'est un point. Ah, vous en gagnez souvent, hein. Ah, oui, vous les comptez, même, hein. Les points, les uns après les autres, hein. Deux par deux, même. Vous avez ri, vous savez, de certaines remarques. Celles du vieil homme avisé, parfois. Ah, que pourrais-je faire quand vous tomberez? Se dit la préhistoire, l'histoire et le présent, et que je ne serai plus là pour vous relever. Après l'ouragan, il ne reste que la détresse et l'angoisse. Pourtant, bien que ma main soit encore ouverte, un jour, vous appellerez et la main dira, je ne suis plus là. Et vous la chercherez et vous ne la trouverez pas. Et vous chercherez encore, et vous ne trouverez pas.
Vous vous êtes nourri de dédain, d'orgueil, de vanité. Vous savez, ces défauts qui font grandir l'ignorance et qui rabaissent l'humilité. Un jour, seul lui pourra encore écouter votre voix. Et là, sur la terre et du haut des cieux, à qui donc appartient ton âme? Ne te suis-je pas obligé? Oui, obligé. Oh, t'oblige pas non plus à répondre tout de suite. Et toi qui fais tout dans la précipitation, enfin presque tout, prends un jour le temps de la réflexion. Et pourquoi pas de la prière. Daphiomite, mais no comment.